3, 2, 1, parti. Et les applaudissements, fais du bruit. Allez, fais du bruit. L'avant-dernièrement, j'ai la coupe de retard, première négative pour le régional. Tout le monde a émergé, donc tous les coureurs sont présents sur le dessin numéro 1. Et les applaudissements, fais du bruit. Allez, fais du bruit. L'avant-dernièrement, j'ai la coupe de Bretagne qualificative pour le régional. Tout le monde a émergé, donc tous les coureurs sont présents sur le dessin numéro 1. Le PAN, le grand de Sébastien Pétrino, on peut l'apercevoir et un peu plus très très sélectif avec Casson Le PAN, aux avant-postes, vous pouvez clairement le plus. Allez, Victor! Était bien présent le leader Maxime Vasser, également la formation morlésienne avec Wendal Boga, le récent 8e de sa ligue. Et la marche était fermée par le coureur du Vélez Vente, porteur sur cette épreuve du dessin numéro 77, en la présence de Noé Pilbon, excellent Marc, en 3e également sur l'épreuve mayonnaise. Allez Thomas, Thomas. C'est vrai que c'est le moment aujourd'hui, on était à 2,26. L'homme de tête, celui qui est bien passé au classement général, c'est tout simplement Pierre Lebrouis, les troisième du classement général. Pierre Lebrouis, Vélosport Biscayer, tout simplement à l'avant, il est en train littéralement d'imprimer rime très très soutenu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour retrouver le contre avec vraisemblablement deux coureurs, avec Enzo Kernis, avec Antoine Gita, l'ancien champion des Côtes d'Armor l'année dernière, c'était à Saint-Brandon. Retrouvez également intercalé Noagasi Le Ski, l'autre brioche de service et le peuple. Hey, Victor, replace-toi, Louis. De la Cigouinou avec Swan Le Pan, attaque de Swan Le Pan. Le coureur de le Cépestin, Maxime Vasser, a pris le soin de prendre la roue. Voilà, 11 tours de l'arrivée, on retrouve la tête, celui qui est bien placé au classement général, c'est tout simplement Pierre Lebrouis, les 3e du classement général. Pierre Lebrouis, allez, Pierre. Tout simplement à l'avant, il est en train littéralement d'imprimer rime très très soutenu. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour retrouver le contre avec vraisemblablement deux coureurs, avec Enzo Kernis, avec Antoine Gita, l'ancien champion des Côtes d'Armor l'année dernière, c'était à Saint-Brandon. Retrouvez également intercalé Noagasi Le Ski, l'autre brioche de service, et le peloton mené par Clément Le Fur, le pensionnaire de la Cigouinou, avec Swan Le Pan. Attaque de Swan Le Pan. Le coureur de le Cépestin, Maxime Vasser, a pris le soin de prendre la roue. Faut que tu te replaces, Louis, t'es mal placé. Avec Guy Pava, 3e cette année à Saint-Laurent, j'avais le plaisir également de le retrouver sur les boucles sur Naze, comptant pour la Ligue de Brune, l'étape en ligne des boucles sur Naze avec une excellente neuf. Il était en compagnie du dessert numéro 64 sur ce passage avec Antoine Gita, le club de Dinan. Antoine Gita. Allez Pierre, allez. Avec un petit groupe d'une quinzaine d'unités, Swan Le Pan avec aux avant-postes la formation de Lucien Briouchine, Bleu Mercure. Nous avions reconnu en deuxième position celui qui porte le dossard numéro 57. C'est bien, Lou, nickel. L'excellent coureur qui a déjà levé les bras cette année, vainqueur à Boulazek, Plavenec, vainqueur de la 3e étape du Tour de Côte d'Ivoire de Rose, à Perros Direct, qui prenait la 2e place au classement général. Deuxième à 12
Nouvelle-Londres, carré, troisième à Tourquedec et Saint-Donat. 16 secondes actuellement pour Pierre Le Bourris, Vélasport, Scalérois, 10 tours. Il est à 10 tours de l'épilogue et le peloton groupe d'une quinzaine d'unités soigne le pan avec aux avant-postes l'information de Lucien Bruchine, Bleu Mercure. Nous avions reconnu la position et celui qui porte le dossard numéro 57, c'est Poulain, l'excellent coureur qui a déjà levé les bras cette année, vainqueur à Polazek, Plamenec, vainqueur de la troisième étape du Tour de Colombie, également deuxième à Puzénombre, Carré, troisième à Tourquedec et 5 16 secondes actuellement pour Thierry. Face à l'instant avec le 51-61, nous avions retenu évidemment Enzo Duval, 10 Daniel Bellage, 14 fois victorieux l'année dernière, deuxième récemment sur la Guignelloise. Vas-y Louis, va les rejoindre, va les rejoindre. Il y a plein partout hein, quand même des voitures là. C'est bien Louis, c'est bien. Secondes sur les deux hommes de tête, Louis Le Blanc et
Reinhardt. Retour bien sûr avec Enzo Kernis. Prochaine étape, 28 secondes d'écart. Allez les mecs, ils sont pas loin. Allez lui, tu t'accroches, tu fais les roues un peu là, allez. Pour l'écart, le peloton qui laisse filer actuellement l'échappée, il va falloir réagir, messieurs. Je rappelle, deux hommes en tête. On retrouverait un groupe de 5 unités contre, à confirmer évidemment, avec le collège des commissaires. Et le peloton va passer sur cette ligne d'arrivée avec un retard de 1 minute et 3 secondes à 1:03. Allez mon Louis, c'est bien. C'est bien, continue comme ça. À ce passage, toute la décision repose sur le groupe et l'écart grandit. L'écart est en train de grandir entre le duo de tête et le groupe que l'on n'aperçoit toujours pas. Où est-il le groupe? Le groupe pointé à 35 secondes. Allez les gars, allez les gars, c'est bien, ça tourne. C'est bien les gars, allez. Il est placé évidemment au classement général de la Coupe de Bretagne, lui qui s'est imposé à Plouvet. Il était 3e à Calais, il est évidemment le 2e ici avec notre revanche du challenge Centre-Bretagne avec le VCP Ludien.
moi un moment. Ils arrivent derrière à 4, Antoine. T'as qu'à tourner avec eux, ça va le faire. Vous allez revenir dessus. Allez, accroche-toi, lui. Faut pas décrocher là. Allez, 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 Loul. Allez, allez, Sven. C'est bien, Louis. Reste bien dans les roues. C'est bien. Vous avez de l'avance. Là, c'est bien. Allez les gars, eh Louis, si tu restes pas là, si tu restes là, tu vas pas à l'école demain. Ça marche? Putain, mais merde!
On va monter ce beau faux plat. Allez, Swen. Allez, UCB. Allez, mon loup. Dans les roues, allez. Cette quinquette. Allez, Louis, allez. Allez, à bloc, lui, allez. Allez, allez. Club olympique cycliste de Fougères, la 6e place, Maurice Boulet, au Célogmené, 7e, Noah Gazinowski, UC Bruchet de Bleu Mercure, 8e. Allez, c'est bien les gars. Allez, tu veux de l'eau Louis ou quoi? Allez les gars, allez, allez, allez. Allez. Voilà, on rappelle le premier classement, mais il y a 20 points. Premier. Allez, consistez. Allez, allez, allez. Il reste deux tours, Swen. Nicolas de Jour. Allez les gars, de l'Annester. Faut pas trop s'endormir, hein. Faut pas que ça revienne derrière. Allez, allez, allez. Doublé de décrocher ce nouvel. Mais doublé, merci de laisser place au coureur. C'est le peloton. Le peloton, je rappelle, est en tête simplement en contre-attaque et attaque de nouveau de Pierre-Louis. Mais doublé, on se laisse décrocher. Merci. Voilà, Augustin. Le petit tour au prochain tour pour Sonne Pan. Allez Louis. Et Louis Thibault. Le prochain tour c'est l'arrivée. Le petit tour messieurs. Le prochain tour c'est l'arrivée. Le petit tour. Gilbert Lassalle. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, une ovation pour la très très belle démonstration de Swen Le Pan. Super Swen.
Ça fait 5, 4. Autant pour moi. Ça fait bien 4. Je l'ai. Là, c'est l'arrivée pour la deuxième place avec Erwan Roux, Nicolas Dujour, William Belagnenart, Noé Pivot, Antoine Gita. Antoine Gita, deuxième. Nicolas Dujour, troisième. Erwan Roux, quatrième. À la c'est bien, Louis, place, c'est bien. William Belagnenart, sixième. Noé Pivot. Et on va retrouver juste derrière lui le beau retour du porteur du dossard numéro 38. C'est l'arrivée également pour l'ensemble des concurrents. Arrivé pour les coureurs doublés. Et le peloton qui va rentrer parmi les 10. Le peloton, c'est l'arrivée. Superbe, Clément Le Fur. Maxime Bassère, le leader. Okay.